Une conférence de presse pour parler de la plateforme R6 devant les caméras. Les responsables du ministère ivoirien de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont exposé les avantages de ce nouveau système. Une initiative dont l'objectif vise à bien conduire les programmes académiques et mieux gérer l'effectif des apprenants. Cette plateforme comprend plusieurs modules développés et éprouvés et d'autres modules en développement. Pour ce qui concerne les modules fonctionnels, il s'agit du module pour les inscriptions en ligne et la gestion des parcours des apprenants des établissements publics et privés, dit module inscription. Du module pour les inscriptions aux examens et concours, dit module test. Et du module pour la demande d'orientation et d'assistance à la commission d'orientation, dit module européenne. Le pilotage de cette plateforme est mené par l'ensemble des directions qui sont parties prenantes de l'accès et du suivi des parcours des apprenants. Nous travaillons sur une fonctionnalité à la fois. Dès lors que cette fonctionnalité-là est établie, validée par le comité de pilotage, elle est implémentée, testée et par la suite déployée. Donc aujourd'hui, si vous me dites quand est-ce que l'exercice va s'arrêter, je dirais, je ne sais pas, mais tant qu'il y aura des services au ministère à digitaliser, ces services-là seront progressivement mis en ligne. Le ministère ivoirien de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est donc disposé à introduire les fonctionnalités jugées nécessaires pour une meilleure exploitation de cette plateforme sur laquelle vont figurer les inscriptions et affectations des étudiants.